Bonjour, bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission d'ésotérisme expérimental. Aujourd'hui, l'émission numéro 47, la deuxième de la 12e cassette d'ésotérisme expérimental disponible sur cassette VHS. Et bien évidemment que nous sommes à l'époque de l'événement fatidique qui a marqué l'humanité il y a maintenant 30 ans précisément, le 22 novembre 1963. Nous étions tous témoins de l'assassinat de John F. Kennedy. Et je pense que tous ceux qui avaient peut-être plus que 10 ans à l'époque se souviendront de ce moment, de ce jour, et c'est marqué dans la vie. Aujourd'hui, donc, toute l'émission est entièrement consacrée non seulement à ce meurtre, mais aussi à la conspiration qui entoure l'événement. Cet événement est une conspiration qui entoure bien d'autres événements dont on ne veut pas nous faire la lumière. J'ai choisi ici la page couverture du livre « La conspiration cosmique » publié chez Louise Courteau, et qui présente bien les quatre aspects de cette conspiration. La première, celle qui est la plus proche de nous, celle qui est représentée ici en bas par la pyramide de pierre. Et cette pyramide de pierre représente l'édifice humain de la société composée d'êtres humains comme vous et moi. Nous faisons déjà partie d'une certaine forme de conspiration. Vous le savez, le fameux secret professionnel dans certains cas, ou certaines informations que l'on détient et qu'on n'ose pas dévoiler pour des raisons de sécurité personnelle. Or, je perdrais mon emploi s'il fallait que je dise que j'ai déjà vu des extraterrestres. Hein? Ça, je l'ai souvent entendu dire. Il y a ici au-dessus le pyramidion de cristal qui est décroché de la réalité humaine. Un peu comme ceux qui montent dans certaines sphères de la société et qui sont un peu décrochés de la réalité de Monsieur Tout-le-Monde et qui font partie d'ordres occultes. Ici, on le représente par la rose. Vous avez remarqué la semaine dernière, M. Pierre-Éliott Trudeau, qui faisait la promotion de son livre, se promenait avec, à sa boutonnière, une rose. Et vous savez le vrai sens de la définition de la devise du Québec, « Je me souviens d'être né sous le lys et de croître sous la rose ». Il y a aussi deux autres aspects de cette conspiration cosmique. Il y a les intraterrestres, ou ceux que d'autres pensent être extraterrestres et qui viennent en soucoupe volante. Il y a la croix de lumière représentée par, évidemment, le christianisme, le message d'amour et de lumière qu'a dégagé le Christ qui est venu porter la lumière au monde. Alors, c'est donc avec ce thème de la conspiration que nous allons parler aujourd'hui de John F. Kennedy. Nous allons parler des intraterrestres et des extraterrestres et, évidemment, tous les aspects de la conspiration que nous pouvons déjà présupposer, manipuler l'être humain par des êtres humains, par des autorités humaines qui font partie d'ordres occultes, par d'autres formes de puissance occulte extra-intraterrestre. Alors, nous allons retrouver le journaliste André Fontaine, qui travaillait pour Radio-Canada à Dallas le 22 novembre 1963 et qui a été parfaitement témoin de l'assassinat de John F. Kennedy. Il se souvient d'avoir entendu lui-même des coups de feu. Et suite à son communiqué à Radio-Canada par téléphone, il a perdu son emploi, il a été même pourchassé et mis en prison. Vous vous souvenez, il y a peu de temps, Joseph Martin qui nous parlait, lui, d'avoir été témoin du meurtre de Maurice Le Noblet du Plessis ici au Québec. Un franc-tireur qui l'a atteint. 1961, tout de suite après la baie des cochons, il y a très peu de gens qui sont au courant. J'ai pris part à l'élaboration des mémos 55, 56 et 57 pour Action Sécurité Nationale. Ce sont des documents cruciaux, classés top. Voici maintenant l'auteur de ce livre, Conspiration, M. André Fontaine, ex-journaliste de Radio-Canada. André Fontaine, comme ça vous êtes toujours vivant. Je pense pas que je vais mourir un jour. Non. Oui, parce qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que je vous ai connu il y a une quinzaine d'années. Et vous n'avez absolument pas changé d'un iota. Vous êtes le même. On dirait que vous ne vieillissez pas. Je pense que ça fait plus longtemps que ça. C'était en 77, 78. 78, oui, c'est ça. Non, je n'ai pas d'affaire à changer. Moi, je sais qu'en 50 ans, je serai encore comme ça.
Vous avez toujours l'air de 45, 50 ans et pourtant vous avez dépassé 65 ans d'âge. Ouais, c'est vrai. Extraordinaire. Et votre livre, c'est un fait qu'il est introuvable actuellement? Il est introuvable, c'est parce que lorsqu'il a été publié en 77, dans trois jours, il a été écoulé et il y a eu un interdit du fédéral. Parce que ce que je révélais à l'intérieur sur le drame de Dallas, c'est mon drame à moi aussi. Parce qu'on m'a fait disparaître pendant 12 ans. Mm-hmm. Pour pas que je dévoile qu'est-ce qui s'est passé sur l'affaire de Kennedy. Donc, il manque 12 ans dans votre vie. 12 ans dans ma vie. Voilà le fait pourquoi vous n'aviez pas vieilli. Ah, justement, c'est 12 ans là. Oui, mais malheureusement, c'est pas une question d'enlèvement par le phénomène extraterrestre. Non, non, parce que 12 ans d'enfer. Oui, c'est que vous avez été mis en prison ici, au Québec. À travers le Canada. À travers le Canada, on vous a promené comme ça? Dans... Partout à travers le Canada. Pourquoi, donc? Bon, voici, c'est que... ça sera assez long, faudrait lire le livre, évidemment. C'est qu'en 66, lorsque j'ai réussi, j'ai décidé de ne pas collaborer avec la CIA à Miami à l'époque. Il y a M. Jim Garrison, qui était le procureur général de la Louisiane, faisait une enquête sur l'assassinat du drame de Dallas. Et puis, la mort de John F. Kennedy. La mort de John F. Kennedy, dont j'en savais beaucoup. J'avais couvert les reportages pour Radio-Canada ce jour-là à Dallas. Et j'avais des catégories que j'avais dit lors de l'un de mes reportages. Il me semble que ceux qui devaient protéger la vie du président l'ont trahi. Et évidemment, ça n'a pas resté là. C'est nos oreilles du procureur Garrison et puis de la CIA aussi. On voit actuellement les reçus qui prouvent bien que vous étiez à l'emploi de Radio-Canada à l'époque. Oui, et donc... même si vous nous permettez, on va entendre quelques secondes d'un communiqué que vous avez fait parvenir à Radio-Canada à l'époque, à la radio de Radio-Canada. Justement. On écoute ça ensemble. Le président John F. Kennedy a été assassiné d'un coup de feu à la tempe droite vers 2h cet après-midi, ici à Dallas, au Texas, à la suite d'une sauvage fusillade. Alors qu'il était en tournée dans cette ville pour les trois prochains jours, invité du Dallas Trade Fair. Le président était accompagné de son épouse, qui heureusement n'a pas été blessée, mais le gouverneur de l'État du Texas, M. Conley, a été que légèrement blessé d'un coup de feu, mais son état ne serait pas alarmant. Pour le moment, il est hospitalisé à l'hôpital général de Dallas et la fusillade eut lieu seulement 30 minutes après que le président fut arrivé à Dallas, en route de l'arrière-garde locale au Dallas Trade Fair. On a pu remarquer toute l'émotion dans ce message transmis en direct de Dallas par M. André Fontaine en 1963, à quelques minutes après l'attentat contre Kennedy. Il y a beaucoup d'émotion aussi parce que ça venait toujours de se produire. Ça venait de se produire, puis moi je connaissais le président depuis 1961, la famille Kennedy. L'été, j'allais peindre à Yannisport, puis on se connaissait très bien d'ailleurs. Mes premiers tableaux, je les ai vendus par les Kennedy et la famille Kennedy, qui avait mon art. Alors, si on revient à votre mésaventure avec la CIA, donc, à ce moment-là... Bon, alors, j'ai refusé de collaborer avec eux et, évidemment, durant de longs mois, j'ai été gardé... Qu'est-ce qu'ils vous demandaient exactement? De ne pas témoigner à l'enquête de Jim Garrison. Et je venais d'écrire aussi un livre, « Désormais, l'étoile brillera sur Cuba ». Et j'avais réussi à envoyer quelques jours auparavant, parce que je savais que j'étais surveillé, l'original au Liban, au supérieur général des Jésuites, où ce manuscrit est toujours là. Et ça révèle toute l'histoire de Cuba depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé durant la Révolution cubaine et comment est-ce que les Américains ont manifesté actuellement envers Cuba toute la négativité qu'il y a. Et évidemment, j'avais écrit, ça s'appelait « Désormais, l'étoile brillera ». Un jour, les gens sauront qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Cuba. Et les relations avec Cuba et le Canada aussi, que les Canadiens n'ont jamais su. Mm-hmm. Et que je les voyais dans ce livre-là. Ce livre-là se trouve toujours au Liban, évidemment. Puis j'ai une lettre d'un éditeur français, Plon, qui me dit qu'il faudra attendre 25 ans après ta mort pour pouvoir publier ce document. C'est très sérieux. Oui, parce que dans ce livre-là, vous mentionnez même que Cuba aurait pu devenir la 11e province absolument, du Canada. Lorsque Castro était venu à Montréal, c'était pour régler cette affaire-là. D'ailleurs, il devait 8 jours, puis il est parti quelques jours, soudainement, à cause de cette affaire-là. Et serait-il exact que même l'ambassade des États-Unis, qui était truffée de GI et de soldats, aurait envahi le gouvernement canadien à ce moment-là, à cette époque-là, sûrement. Écoutez, vous aviez... Pour empêcher que les choses se règlent sur papier avec Fidel Castro. Le gouvernement du Canada venait d'envoyer 10 000 tracteurs pour aider la réforme agraire du Canada. Le jour tragique, j'étais à Dallas avec Jean Yache de France Presse. Nous étions toujours ensemble lorsqu'on couvrait les événements.
Jean Yache était très connu à l'époque, l'agence officielle de France Presse. Et où nous nous trouvions, environ 100 pieds du cortège, nous avons entendu trois coups de feu venant de deux endroits différents. Et dans nos reportages, on a bien spécifié. Évidemment, ça n'a pas resté là. Surtout mon dernier reportage, que je mentionnais que il me semble que ceux qui devaient protéger la vie du président l'ont trahi. Ça, ça passait sur Radio-Canada français et anglais. Et ceux qui peuvent trouver encore une copie de conspiration, apparemment, il y en a dans la librairie municipale. Il y a encore des gens qui en ont peut-être encore. Vous allez voir, ces reportages-là sont documentés par Radio-Canada. Évidemment, ça n'a pas resté là. C'est que le gouverneur de la Nouvelle-Orléans, le gouverneur Jim Garrison, nous a convoqués puis nous a interviewés durant 4 ans, jusqu'en 66. Et je devais être un des témoins à l'enquête de Jim Garrison. On avait découvert que Clay Shaw, un homme d'affaires, supposé homme d'affaires de la Nouvelle-Orléans, qui avait été chargé de monter tout le complot par le gouvernement américain. Moi, j'ai connu Clay Shaw, il était en ambassade américaine à La Havane à l'époque, parce que je me trouvais en ambassade américaine quand je demeurais à La Havane, à l'ambassade du Canada, c'est-à-dire qu'ils sont toujours voisins. Et c'était le chef de la CIA. Ah, il était toujours un agent de la CIA à Dallas. Alors évidemment, lorsque le procureur Jim Garrison en 66 y a informé au monde qu'il y avait eu un complot politique, un coup d'État, on a fait disparaître presque tous les documents qui pouvaient incriminer. Il y a eu un procès, évidemment, il a été acquitté parce que le gouvernement américain a refusé de donner tous les documents qui pouvaient aider à la condamnation de Clay Shaw. Ceux qui ont vu le film de John Kennedy, on en parle d'ailleurs. Hein? Bon. Alors ce livre-là, moi je l'ai écrit en 66, 67, 68. Et ceux qui ont vu le film de JFK, et puis qui voient mon livre, ils vont dire, mais André Fontaine a dit ça en 66. Mais j'en dis 80% plus que ce que vous avez vu dans le film. Je le dis bien que Johnson a trempé dans le complot. Je dis bien que Ruby, je vais dans l'histoire de Ruby depuis sa naissance. Qu'est-ce qui était Ruby? Qui connaissait très bien que les chats, qui a été forcé d'assassiner Oswald pour les raisons que j'invoque dans le livre et qui montrent aujourd'hui que c'était ça. Alors, lorsque le livre a publié, j'étais ici à Québec, en 77, évidemment, les gens m'ont fait passer un peu pour fou. c'est normal, hein? On n'a pas cru à l'histoire, vraiment, mais aujourd'hui, le film est sorti. Et lorsqu'on va au cinéma, ah, mais André Fontaine avait bien dit ça, c'était vrai, tu sais. On m'a humilié au plus bas degré lorsque ce livre a sorti. Surtout que... Il y a une information, André, qu'on trouve dans ton livre, c'est la question de la carabine de... Bien, justement, ça... Ah. Même dans le film de JFK, il l'a pas. Il l'a pas, cette information-là. C'est que dans le livre Conspiration, vous avez 17 documents ultra secrets de la CIA. Demandez-moi pas comment je les ai eus, mais je les ai obtenus. Je ne peux pas le dire. C'est, j'ai promis que ça serait un secret pour la vie. Mais en tout cas, ils sont là, ces documents. Ils sont bien demandés comment ça, j'avais pu obtenir ces documents. Parce que ces documents montrent le complot au complet. Qu'il y a eu un coup d'État. Pourquoi qu'on a assassiné Kennedy? Il voulait mettre fin à la guerre du Vietnam. On le savait qu'il y avait un racket de 400 milliards de dollars au Pentagone annuellement. Et on disait récemment seulement que pour la location d'entrepôts, pour cacher, entreposer des munitions qui datent de plus de 30 ans, dont la pire république de bananes n'oserait pas en demander, qu'il dépense 40 milliards encore par année pour entreposer ces armes-là ou ces costumes militaires et toutes ces choses-là. Alors, Kennedy savait que cet argent qu'on dépensait pour l'établissement militaire, on serait mieux de l'utiliser pour refaire la société américaine, surtout après les suites de la guerre du Vietnam. On sait que les Russes ont tombé à cause de ça. 80% du budget était pour supporter les forces armées. Alors, le reste de la population a souffert. Elle a tout à craquer. Il savait qu'un jour, ça craquerait aux États-Unis. Et ça craque actuellement. Mais Kennedy, à l'époque de Kennedy, il n'y avait pas encore le début de la guerre. Non, elle était commencée. Elle était commencée. Elle était commencée, oui. On lui avait demandé d'envoyer d'autres militaires. C'est ce qui a été fait tout de suite après sa mort. Tout de suite après sa mort, Johnson l'a fait. Alors, évidemment, c'est que, comme Richard le disait, on s'était rencontrés dans l'île des chats Cat Key, au Bahamas. C'est une petite île entre Miami et Nassau. Et il a été attendu, suite à cette rencontre-là, avec Che Guevara, Raúl Castro, Robert Kennedy, Lisa Howard, celle qui a fait libérer les 12 000 prisonniers de la baie des Cochons, qui était une nièce des Kennedy, qui est une avocate bien connue de Miami, qui renouait les relations diplomatiques mutuelles.
et qui laissait tomber les Russes. En retour, Cuba repayait, redonnait aux Américains les 4 milliards d'investissements qu'ils avaient dû saisir. Et Kennedy s'organisait pour que les Cubains qui ont tout dévalisé les banques avant de partir, les chefs de gouvernement, il y en a fait comme 8 milliards, redonnaient ces argents-là au gouvernement cubain qui appartenait au peuple cubain. Alors, c'est pour ça que Kennedy était devenu un ennemi des militaires, de la CIA, du FBI. Il fallait le faire disparaître. C'est comme ça qu'ils l'ont fait disparaître. J'étais là à cette réunion-là? Oui, j'étais là à cette réunion-là. C'est top secret. C'était secret, personne ne devait le savoir, mais ça s'est su. Voici l'un des éléments qu'on retrouve dans le livre Conspiration écrit par M. André Fontaine. Ici, l'annonce de la carabine. Celle d'en haut, c'est la carabine qu'on retrouve dans le catalogue Klein, modèle commandé par Oswald et qui correspond au C-20T-750. Cette carabine mesure 36 pouces, alors que celle retrouvée au sixième étage était le modèle C-20-750 et mesure 40 pouces .2. Une différence de 4 pouces. Ce n'était donc pas la carabine commandée par Oswald qu'on a retrouvée au sixième étage. C'est une carabine qui lui ressemblait, mais qui avait une différence de 4 pouces. C'est une des informations qu'on retrouve exclusivement dans le livre « Conspiration » de M. André Fontaine.